Bonsoir, chers amis, et good evening, dear friends. Мы сегодня продолжаем на виртуальной площадке Русского дома в Брюсселе с участием Русского дома в Ливане и Русского дома в Анкаре, Турция. Цикл встреч, объединенных общим названием «Беседы об искусстве с русским музеем». Aujourd'hui, nous continuons notre cycle de rencontres virtuelles sur la plateforme virtuelle de la Maison russe Bruxelles Europe, avec la participation de la Maison russe à Beyrouth au Liban et la Maison russe à Ankara en Turquie. Ce cycle de Art Talks avec le musée russe à Saint-Pétersbourg, et nous vous souhaitons la bienvenue. Today we are very happy to welcome you, everybody, on the virtual platform of the Russian House in Brussels, Europe, with the participation of Russian House in Lebanon, Beirut, and in Ankara, Turkey. And we continue our art talks with the Russian Museum, and we are happy to welcome you today evening. Наша встреча будет проходить на русском языке с синхронным переводом на французский язык. Если вы хотите слушать нас по-русски, пожалуйста, оставайтесь на линии или выберите русский язык, кликнув на иконку с изображением глобуса внизу справа на вашем экране. Notre rencontre aujourd'hui va se faire avec la traduction simultanée en français. Si vous voulez nous suivre en français, choisissez la piste française en cliquant sur l'icône de globe en bas à droite de votre écran. Our meeting today will be done in simultaneous translation into French. So if you want to choose the French language, please click on the icon of globe in the bottom of the screen. And и спасибо коллегам в Бейруте за перевод на арабский язык. And thank you so much our colleagues in Beirut for the translation, simultaneous translation into Arabic. Теперь я буду говорить по-русски, потому что надеюсь, что... Maintenant, je vais parler en russe parce que j'espère que nous avons maintenant l'interprétation simultanée, donc tout le monde va tout comprendre. Une dernière observation technique, vous pouvez nous poser des questions à nos intervenants en utilisant les trois moyens. Vous pouvez écrire votre question dans le chat. Vous pouvez poser votre question dans la section questions-réponses et aussi en cliquant sur l'icône en bas de l'écran. Et finalement, vous pouvez également lever votre main virtuellement. C'est aussi une icône en bas de votre écran si vous voulez faire un commentaire ou dire quelque chose. Et maintenant, avec un grand plaisir, je passe la parole au responsable du musée virtuel russe et à notre partenaire principal pour l'organisation de ce cycle de rencontres dédiées à la culture et aux arts russes et à la collection des arts le plus grand, c'est Madame Maria Gledkich. Je passe la parole à Maria. Bonjour, bonsoir, chers collègues, chers téléspectateurs, chers collègues et qui nous regardent aujourd'hui de tout le coin du monde, non pas seulement en Belgique, au Liban, en Turquie. J'en suis certain que beaucoup de monde nous a rejoints aujourd'hui. Nous sommes très contents de vous saluer du Centre de Multimédia. On continue notre parcours virtuel. On va continuer aujourd'hui avec notre exposition Pierre Legrand, navigateur à la fois et charpentier. Et ici, vous voyez Monsieur Galdowski, qui est le responsable de peinture de 18e, la première moitié du 19e siècle. Et grâce à ses efforts, cette exposition formidable avait été préparée. Victor Grigori, c'est à vous la parole. Merci beaucoup. Nous travaillons pour nos spectateurs. On espère toujours que nos expositions qui avaient été toujours très bien préparées
On veut avoir une telle résonance que tout le monde va bien aimer nos expositions et à tous les spectateurs actuels, présentiels, pardon, et virtuels. Et encore une fois, je vous remercie pour votre attention au Musée russe. C'est pour cela que nous travaillons. Et encore une fois, je veux vous dire que une des missions les plus sérieuses et des tâches, une des plus sérieuses concernant cette exposition, avait été résolue pour Victoria, qui va avoir l'occasion de vous parler de nos efforts communs et comment ces efforts ont été réalisés dans les salles de Palais Mikhailovski. Merci, Grigor Nauch. On va passer la parole à Valentina, qui est la responsable du musée russe. Merci beaucoup. Bonsoir. Je suis contente de vous voir tous. Je voudrais vous dire quelques remarques concernant cette exposition d'aujourd'hui. À la différence de l'exposition qui avait été créée pendant le vivant de Pierre le Grand, notre but était de refléter la vie et les œuvres de Pierre chez les peintres de notre génération. Et nous avons collecté les œuvres d'art qui ont été créées à partir du 19e et la première moitié du 20e siècle. Et c'est le portrait. Le premier portrait grande taille de Pierre le Grand. L'auteur, c'est le peintre russe Drojdin. Ce portrait avait été créé sous la commande de l'impératrice Catherine II en 1895. Cette composition n'a pas été originale. C'est une copie de portrait peintre italien Panigoni, et l'original a été écrit entre 1832 et 1834 par Anigoni. Et ce portrait russe copie pratiquement l'original italien. Ici, on peut voir Pierre, sa grande taille, avec ses vêtements. Nous avons également un ange en amour qui tient la couronne de l'empereur. Ici, si on descend, on peut voir sous ses pieds ces trophées qui ont été peints d'une façon symbolique. Ce sont les tambours de guerre, les canons de guerre. Et nous pouvons également voir la flotte au fond de cette toile. Nous pouvons voir également le code militaire qui avait été adopté par l'empereur Pierre. Et tous ces attributs montrent les accomplissements de Pierre le Grand. Également, le peintre italien Panigoni avait également montré tous ces trophées. Il y a quand même une différence majeure. Si vous trouvez sur Internet, après cette réunion, si vous trouvez l'original, vous pouvez voir que Pierre et à côté de Pierre, vous pouvez trouver une femme et qui le soutient. Et sur le portrait russe, nous ne voyons plus de figure féminine ici. C'était justement ce qui a été voulu par le peintre russe. Et à partir de la fin du XVIIIe siècle, on va passer aux peintures qui ont été créées au milieu du XIXe siècle. On peut voir ici
la peinture d'Ivan Ivazovski, qui est très connu au monde entier. Il a à multiples reprises peigné les orages, et ici, on peut voir un exploit de pierre. C'est une situation réelle, alors que 1714, pendant un orage dans la baie de Finlande, le vent poussait les bateaux sur les pierres, sur les rochers. Et Pierre le Grand, en risquant sa vie, il a rejoint la terre. À côté du Krasnaya Gorka, c'est un fort, et il a créé cette espèce de point de repère selon, que les bateaux pouvaient suivre, et de cette façon, il a pu sauver plusieurs bateaux. Et un autre exemple, c'est une autre toile qui est arrivée à notre exposition du musée de Moscou, de la galerie Tretiakovskaya. Son auteur est un peintre non professionnel. C'est un peintre, Alexei Venetianov, qui se fait connaître en peignant la vie quotidienne des paysans. Mais il voulait également participer à un concours qui avait été annoncé en 1936 par un mécénat très connu, Anatoly Demidov. L'objectif du concours était le suivant: peindre Pierre le Grand pendant le moment quand il réfléchit à une idée importante, et qui a amené ensuite, grâce à cette idée, qu'il a pu amener son patrie à la puissance et à la gloire. Et Venetianov a dépeint Pierre devant un grand rocher en forme une forme spécifique. Cette pierre, elle avait été en fait pour le chevalier en bronze. C'est la statue de Pierre avait été amenée justement a priori de cet endroit-là. Autour, on peut trouver ces aristocrates. Et on peut voir également une carte pour bâtir quelque chose sur le golfe de Finlande. Et également derrière, on peut voir les paysans grâce auxquels Venetianov s'est fait connaître. Nous avons reçu cette peinture de la galerie Tretiakovskaya parce qu'il y a quelques années, une restauration très intéressante a eu lieu. Et pendant cette restauration, l'idée initiale avait été découverte. C'est le portrait de Pierre. Et si on tourne vers la gauche, on peut voir une toile d'Afanassiev qui a travaillé à la fin du 19e, début 20e siècle. C'est un langage artistique qui avait été utilisé, soi-disant, qui démontre l'exploitation de pierre. Mais nous n'avons pas de preuves documentaires. C'est une histoire qui décrit les derniers jours de Pierre le Grand. Selon la légende, Pierre a pris un yacht pour naviguer le golfe de Finlande pour voir une usine d'armerie. Et pas très loin de cet endroit, pendant un orage, il a vu un bateau qui était en train de couler avec des soldats et des marins. Il avait participé
personnellement pour les sauver. Et pendant qu'il essayait de les sauver, il a attrapé un rhume dans l'eau froide, ce qui l'a mené par la suite à sa mort. Et ce sujet, quand Pierre, en risquant sa propre vie, sauver d'autres personnes, est devenu un moment symbolique et très répandu. Et beaucoup de peintres, pendant les périodes différentes, utilisaient ce sujet. Et si vous allez bien regarder, consulter la présentation, nous avons eu une gravure sur le même sujet, la gravure faite par Razumihin, selon le dessin de Tchurikov, ce qui a été utilisé pour une série de peintures. D'autres peintures sur ce sujet, on peut le trouver dans une autre salle. Avant qu'on passe dans la salle suivante, portons notre attention à cette tête monumentale, à cette sculpture de la tête de Pierre le Grand. C'est l'œuvre d'un sculpteur français, Marie-Anne Callot, qui a réalisé cette tête pour aider son professeur, Étienne Quelcanet, qui travaillait justement sur le monument, qui a par la suite été connu sous le nom de Chevalier de bronze, qui avait été réalisé sur la commande de Catherine II. Ici, nous voyons également Pierre. En fait, le Chevalier de bronze, c'est un vainqueur, mais Falconet ne pouvait pas créer le portrait de Pierre. Et finalement, après ces efforts qui n'ont abouti pas à quelque chose de convaincant, il a demandé de l'aide à son élève, et c'est elle qui a réalisé cette tête qui ensuite avait été exposée pendant notre exposition dans nos salles. Maintenant, on peut passer à notre salle suivante. Dans notre salle suivante, qui est dédiée aux actions de Pierre le Grand à partir de sa jeune enfance et jusqu'à son âge mûr. On va commencer dans l'ordre biographique, à partir de sa jeunesse. Ici, on peut voir la peinture de Karl Stebbins. C'est un peintre qui est dédié un épisode de l'enfance de Pierre. On peut voir les archers, pendant leurs manifestations, sont entrés dans le palais et ils menaçaient les deux tsarevitch. Et on peut voir la mère de Pierre le Grand, Natalia Kirillovna, qui protège son fils, et elle montre avec le doigt sur l'icône en soulignant que ce n'est pas seulement un garçon, ce n'est pas seulement un tsarevitch, mais il est sous la protection divine. Donc, Stebbins dépeint les personnages de ce tableau à l'intérieur de l'une des cathédrales du Kremlin de Moscou. Bien sûr, personne ne sait comment cette scène s'est déroulée, mais en tout cas, le fond n'a pas été choisi par hasard. Ce sont des véritables intérieurs, des décorations intérieures de l'une des cathédrales moscovites. Donc, nous allons voir un autre tableau par Stebbins dans une autre salle. Elle a donc dédié à l'histoire russe plusieurs de ses œuvres. Et maintenant, je vous propose d'examiner une autre toile sur un sujet un peu similaire par Vassili Demidov. Ça date du milieu du 19e. Natalia Kirillovna, la tsarine, la mère de Pierre le Grand, avec le petit tsarevitch. Les deux se tiennent sur la porche
Et apparemment, c'est le moment où le tsarevitch pouvait prononcer la grâce aux délinquants, aux criminels, le jour de sa naissance. Donc voilà, c'est la scène qu'on voit sur ce tableau. Au-dessus, le tableau qui appartient à Ivan Karmanov. Nous ne connaissons son nom que de par la signature, et c'est aussi cette inscription qui, en fait, nous permet de déchiffrer le sujet. Il s'agit d'un émeute des sécessionnistes, des raskolniks, comme on les appelait. Il s'agissait d'un conflit entre deux courants religieux, donc les partisans de la foi en vigueur et les raskolniks. Donc les raskolniks étaient les partisans de la foi ancienne avec leur chef surnommé Pustosviat. Donc on le voit au milieu, il est en train d'être lié par les cordes. Donc, au début, les raskolniks voulaient tout simplement avoir une discussion civile. Ils voulaient juste discuter de la religion, de la foi, mais en fait, ils se sont avérés être assez agressifs parce qu'ils ont amené des pierres avec eux. À ce moment-là, les jeunes tsarevitch étaient très, très petits, ils n'avaient que 10 ans. Et pourtant, le futur Pierre le Grand, n'était pas quelqu'un de timide. Elle a bien montré son caractère. Ici, on voit son frère Ivan. D'après les descriptions historiques, Ivan a eu peur et à ce moment-là, il s'est caché. Tandis que le futur Pierre le Grand, petit garçon de 10 ans, a fait preuve du courage. Et donc, il a appelé les archers loyaux de protéger la foi. Donc, d'une main, il pointe sur sa couronne et avec l'autre main, il s'adresse aux archers qui devraient le protéger. Et donc, il a prononcé cette phrase: « Tant que la couronne est sur ma tête, je ne permettrai de déclencher une guerre contre la Sainte Église. » Donc, un sujet historique qui soulignait que même déjà à l'âge d'enfant, Pierre était quelqu'un de courageux, d'intrépide, quelqu'un qui se sentait responsable, qui assumait ses responsabilités pour l'État en tant que tsar. Et Alexei Mikhailovitch, le père de Pierre le Grand, a bien pris note de ses qualités de son fils, et donc dès son bas âge, il a créé des troupes désarmées des enfants, en fait, donc qui étaient composées des jeunes garçons du même âge que Pierre. Mais Pierre prenait en fait très au sérieux sa formation militaire, et donc au fur et à mesure que les garçons grandissaient, ces armées se sont transformées à de véritables unités militaires faisant partie de l'armée russe. Donc, ce tableau a été fourni par le musée de l'artillerie et qui représente justement des entraînements, des manœuvres de ces manœuvres. Il s'agit des premières grandes manœuvres dans l'histoire de l'armée russe, qui date de 1694. Une forteresse a été construite à cette fin. Donc, il y avait une unité qui défendait la forteresse et l'autre, dirigée bien évidemment par Pierre le Grand, attaquait la forteresse et a bien réussi de la prendre à l'assaut. Un autre sujet qui nous raconte une autre histoire.
En 1696, le colonel Ivan Tichler a comploté contre le tsar Pierre. Il voulait ramener au trône la tsarine Sofia. Mais Pierre a su déjouer ce complot et il est venu en personne. Donc voilà, pour prendre un flagrant délit les participants de ce complot. Maintenant, nous pouvons jeter un coup d'œil sur les tableaux qui représentent les victoires militaires réelles. Donc très vite, il y a eu cette transition des troupes enfantines vers la création d'une véritable armée. Une des toiles d'Alexandre Kotzebue qui représente justement une bataille près du village Lesnaya qui se trouve sur le territoire de la Biélorussie actuellement. Cet artiste a créé toute une série de toiles d'envergure qui aujourd'hui font partie des collections de différents musées. Cette bataille auprès du village Lesnaya, Pierre le Grand l'appelait la bataille qui a anticipé la victoire auprès de Poltava, parce que c'était parmi les premières victoires russes contre les Suédois. Les Suédois, à ce moment-là, ont perdu beaucoup d'armement, beaucoup d'hommes. Sur le mur voisin, un autre épisode de la Grande Guerre du Nord, la prise de Narva. Nicolas Zahervé est l'artiste de ce tableau. Et nous voyons Pierre le Grand, entouré de ses soldats, prendre la ville de Narva. Donc, il a fait plusieurs tentatives pour la prendre à l'assaut, mais ces tentatives étaient infructueuses avant que, en 1704, l'armée russe puisse finalement, encore une fois dirigée par Pierre le Grand, entrer dans la ville. Et l'artiste nous montre pas seulement la prise de la ville, mais aussi le moment où Pierre le Grand retient ses soldats des pillages. Donc, c'était un moment moraliste, si vous voulez, très important. Ayant pris la ville, Pierre le Grand interdisait à ses soldats de la piller. Et c'est aussi un fait historique. Un petit tableau, petite par sa taille, mais importante pour notre collection. Il s'agit d'une œuvre de l'artiste Vassili Chibouyev et qui représente justement la victoire dans la bataille de Poltava, qui a été la bataille finale décisive dans la guerre du Nord. Et c'est une petite esquisse. Le tableau lui-même a été beaucoup plus grand. Il a été commandé par l'empereur Nicolas Ier pour la salle d'apparat du château des ingénieurs, où notre exposition a eu lieu. En fait, on ne connaît pas l'emplacement actuel du tableau, donc nous n'avons que cette esquisse. Et voilà une jolie pièce d'art, horloge, sur le sujet des victoires militaires de Pierre le Grand. Donc Pierre se tient debout sur une partie d'un bastion, avec les bas-reliefs représentant ses victoires. Sur le premier bas-relief, nous voyons également la victoire de Poltava avec Pierre le Grand qui est à cheval et l'inscription qui dit « La baie de Finlande » au bord justement de laquelle ces batailles ont été livrées et au bord de laquelle Pierre le Grand a décidé de bâtir la ville de Saint-Pétersbourg. D'accord, nous passons plus loin. Oui, nous pouvons peut-être jeter un coup d'œil rapidement sur quelques tableaux parce que je pense que vous avez vu des vidéos sur ces tableaux. Alexandre Klebowski, qui a représenté l'Assemblée présidée par Pierre le Grand. Et nous voyons que
l'un des participants à cette assemblée, qui a apparemment commis une infraction la plus commune à l'époque, elle n'a pas rasé sa barbe. On lui donc donne à boire la grande coupe avec un aigle bicéphale, le symbole du pouvoir impérial. La coupe remplie de vin, et donc le coupable devait boire la coupe cul-sec. Bon, les infractions pouvaient être différentes, mais probablement la barbe, comme j'avais dit, était parmi les plus courantes. Et un autre tableau qui vous est familier, je pense, Vassili Koutchoumov, nous montre la statue de Vénus. Le statue arrive à Saint-Pétersbourg en 1721 comme un cadeau du pape Clément XI. Et elle a été donc installée, elle est accessible au public. Les antérieurs de ce tableau ne correspondent pas tout à fait au palais d'été où historiquement cet événement s'est déroulé. Il s'agit plutôt des antérieurs du palais Montplaisir à Saint-Pétersbourg, que Pierre aimait aussi. Et donc que plusieurs peintres choisissaient pour comme décor, comme en intérieur pour leur tableau. Donc maintenant, je vous propose de passer dans la salle voisine et de passer quelques moments à contempler ce relief qui a été spécialement restauré pour cette exposition. Il décorait les portes en bronze de la cathédrale Saint-Isaac, qui était en pleine construction à ce moment-là. Donc, les sujets sont encore, bien évidemment, liés avec la vie de Pierre le Grand et aussi avec la vie d'Alexandre Nevsky. Là, dans le cas échéant, après la fin de la guerre du Nord, pour confirmer définitivement le nouveau statut de la nouvelle capitale, Pierre le Grand, Saint-Pétersbourg, Pierre le Grand décide de transporter les reliques d'Alexandre Nevsky de Vladimir à Saint-Pétersbourg. Cela a été fait en 1724. Les personnages sont authentiques. Donc, c'était des gens qui ont accompagné Pierre le Grand, Alexandre Menchikov, Fedor Apraksin. Et le prêtre de la cathédrale à Vladimir qui avant abritait ses reliques. Les reliques sont couvertes par le manteau impérial avec une couronne dessus. Donc d'abord, les reliques ont été transportées par les voies terrestres. Et puis, donc, la partie finale a été faite par la mer. C'était un autre sujet assez populaire. Donc, si nous regardons à droite, nous allons voir le même sujet interprété de manière très originale. Il s'agit d'un modèle en argent qui a été commandé au sculpteur Marc Antakolski. Il a été commandé pour les 200 ans de la flotte russe. Le commanditaire a été le grand comte Vladimir Alexandrovitch. Donc, cette composition a été présentée à l'exposition universelle de 1900 à Paris. Et donc, cet objet représente aussi le même sujet, le transport des reliques, mais de manière allégorique. Parmi les personnages, nous ne voyons que la figure de Pierre le Grand, comme le personnage principal, comme l'initiateur. Et aussi la barque, le bateau, très joli, avec le symbole impériaux, l'aigle bicéphale et la couronne.
Ensuite, un peu plus loin, dans la même salle, nous voyons deux œuvres graphiques qui illustrent les événements qui se font écho. Là, c'est une aquarelle. Il y a Pierre le Grand qui est en train juste de s'imaginer sa nouvelle ville. Et deuxième œuvre par Benoît, nous voyons Pierre le Grand qui se promène à travers la ville déjà construite. Donc, il a déjà mis en œuvre toutes ses idées. Nous voyons déjà des palais, nous voyons le jardin d'été et Pierre entouré par ses courtisans, comme en témoignent ses contemporains, aimait effectivement beaucoup se promener à travers la ville pour voir les réalisations, la mise en pratique de ses idées et ses projets. Alexandre Benoît a réalisé ce tableau à la commande de Sif Knebel. Et dans la salle voisine, toute cette série de tableaux a également été exécutée pour son édition. L'éditeur Knebel a voulu publier une série d'images faites au format d'héliographie pour enseigner l'histoire russe aux écoles. Et donc, il a invité les artistes professionnels à participer à ce projet. L'artiste Serov a également exécuté quelques œuvres. Valentin Serov a fait ce tableau-là pour une autre publication, pour l'album La chasse impériale en Russie. Le tableau s'appelle Le tsar Pierre avec le comte Ramadanovski, Zotov, Ramadanovski, à côté du village Kolomenskoye. Au début du XXe siècle, les artistes représentaient des images plus émotionnelles. Et donc maintenant, nous nous déplaçons par ici. Cette partie de l'exposition nous raconte les voyages du jeune Pierre en Europe. L'artiste Gorski nous représente le moment où Pierre le Grand a rendu visite à Paris à Madame Kerman. Donc, elle a visité l'école fondée par Marquise de Maintenon. Et puis, elle a voulu voir la marquise elle-même. La marquise a été déjà à cette époque une dame âgée. Il s'est dit malade. Probablement, elle ne voulait pas se montrer au jeune tsar. Mais Pierre est tout simplement entré dans la salle, l'a regardé, n'a rien dit et avec toute la délicatesse, il est tout simplement parti. Si nous regardons à gauche, il y a un autre tableau qui vient d'une collection privée. C'est un sujet de la même époque, le voyage de Pierre à Paris. C'est sa visite à la Sorbonne où le cardinal Richelieu a été enterré. Aussi une histoire d'apocryphe, une sorte d'apocryphe, parce qu'il n'y a pas vraiment de preuve que ça effectivement a eu lieu. Mais plusieurs historiens témoignent en tout cas que le tsar russe s'est approché de la tombe de Richelieu et a dit « Le grand magistre, c'est dommage que tu n'as pas été né dans mon temps. J'aurais donné la moitié de mon empire pour que tu m'apprennes à gérer la deuxième. » On ne sait pas si cette phrase a vraiment été dite, mais dans les sources littéraires, elle est très populaire. Dans la même salle, on peut trouver encore quelques peintures. Si on regarde vers la gauche,
On va voir les graphiques plus tard pendant la présentation, mais maintenant, nous n'avons pas beaucoup de temps et donc on va passer justement ici. On a quelques peintures pas trop grandes, mais importantes. Deux d'entre elles nous montre le concours qui avait été organisé par Demidov, pour lequel Venetianov, le peintre, a travaillé. Mais ici, devant nous, on peut voir une toile qui avait été faite par Alexandre Ivanov, qui est très connu, un peintre très connu. Il a représenté Pierre qui pense à la création de ville de Saint-Pétersbourg, mais il dort, donc ce sont des rêves encore. Et on peut voir encore dans les nuages les vues de notre ville, les bâtiments de notre ville. On peut même trouver l'Académie des arts dans ces nuages. On ne sait pas quels autres travaux ont été réalisés, mais une autre peinture a été peinte par Grigori Chernetsov, qui a représenté Pierre dans un atelier. Ce sont l'intérieur d'une vraie ville authentique qui reste intacte jusqu'à nos jours. Nous avons plusieurs représentations de cette petite maison et également Chernetsov l'a utilisée pour sa peinture. Ce concours n'a pas été abouti et pour cette raison, les peintures n'ont pas été achevées. Et je pense que cette peinture avait été réalisé justement pour la fête de Pierre le Grand. L'auteur, c'est Ivanov. Il représente, il a peint Pierre le Grand à côté de cette maison sur le bord de Gaulle de Finlande. Cette maison avait été construite selon le modèle que Pierre a vu à Amsterdam. Et Pierre encore réfléchit sur le futur de son empire. Et ici, on peut retrouver le sujet qui est très connu par vous, c'est le transportation des reliques d'Alexandre Nevsky. Et le peintre, c'est Bassin. C'est une esquisse d'une peinture qui avait été conçue dans la même église dans laquelle Vitali a travaillé. Et Piotr Bassin a justement préparé les peintures pour cette église. Cette peinture, on va également voir, cette peinture est arrivé chez nous d'une collection privée. Le peintre est bien connu par nous, c'est Chebé, qui, dans ce cas, a utilisé le sujet de sauvetage par Pierre le Grand des personnes. Et c'est le dernier exploit de Pierre pendant ses derniers jours de sa vie. Et cette peinture, Karl Steben a écrit lorsqu'il était à Paris, et cette peinture a été achetée par Napoléon. Et le public français l'a bien apprécié également. Et Napoléon a commandé un gobelin sur ce sujet et qu'il a offert à Alexandre Ier. Et ce gobelin est encore conservé à Saint-Pétersbourg dans le musée. Et le sujet est devenu aussi populaire qu'il a été copié par d'autres peintres. Et il utilisait ce sujet, les peintres, dans d'autres genres également. Pour l'instant, on doit voir encore quelques peintures liées à la célébration de l'anniversaire de 200e anniversaire de Pierre le Grand. Et pour cette date, beaucoup de peintres ont peint plusieurs toiles de différentes tailles et de formes différentes. Et
le peintre bien connu russe Nikolai Yan, a peint une scène dramatique où Pierre questionne, demande, pose des questions à son fils qui avait comploté contre son père. Et ici, le moment est dépicté où Pierre et où Tsarevitch est revenu de l'Europe et finalement Alexei a été a trouvé la mort. Il était exécuté. Ce nouveau monument par Nikishin qui voulait commémorer la bataille de Lesnaya. On peut trouver finalement les petites figurines en bas qui nous montrent l'échelle qui avait été planifiée pour ce monument, mais qui est toujours restée juste sur papier, sur cette toile. Et ici, on peut trouver le monument finalement réalisé dont nous avons parlé aujourd'hui. C'est le chevalier de bronze sur le fond de l'église de Sakiev. Cette peinture a été réalisée quand elle était encore jeune, quand elle est arrivée à Saint-Pétersbourg à la veille de la célébration du 200e anniversaire de Pierre le Grand. Il a représenté le monument le plus connu de Pierre le Grand, qui est connu sous le nom de Chevalier de Bronze, et l'église, le temple de Sakiev, qui est aussi très connu et très important en Russie. Cette peinture démontre des signes qui sont très importants pour notre culture. Une autre toile est réalisée par Alexei Bogolubov qui représente la fête du 200e anniversaire de Pierre le Grand au bord de Niva. La fête était longue et il y a eu beaucoup d'événements qui étaient inclus. Et si on regarde vers la droite, on peut voir devant le chevalier en bronze, on peut voir le public observe la parade, les festivités, et on peut voir même le peintre. Et derrière lui, il y a son assistant également, peintre, c'est Karl Boon, qui aidait à Bogolubov pour peindre les personnages sur cette toile. Et si vous voulez, vous pouvez revenir pour voir cette présentation, pour voir tous les détails de cette toile. Et nous devons encore voir dans la dernière salle de notre exposition les peintures qui nous montrent l'image de Pierre le Grand dans les arts populaires. Forcément, l'image de Pierre le Grand était très populaire, surtout dans la gravure, qui est très spécifique. Ces gravures étaient imprimées dans des grands tirages et étaient distribuées chez les personnes très simples. Et même dans les izbas des paysans, on pouvait trouver des représentations de Pierre. On peut par exemple trouver ici Pierre sur ce portrait du XVIIIe siècle où on voit Pierre en tant que vainqueur ou le chevalier seul. C'était ces représentations qui étaient très populaires parmi les gens moyens. Et nous pouvons trouver également ce genre d'illustration qui racontait des exploits très importants de Pierre et avec
des explications. Par exemple, c'est ici on peut voir la représentation d'une des victoires maritimes et également là une des dernières batailles où l'abordage a été utilisé. Par la suite, dans les batailles, seulement les canons ont été utilisés. Et également, les histoires en images étaient très populaires. Les anecdotes sur le Pierre le Grand étaient très populaires. Par exemple, l'histoire comment un soldat simple a sauvé la vie d'un officier qui passait et c'était découvert, il a été découvert que ce n'était pas un officier simple, c'était Pierre le Grand. Cette histoire existait dans des versions très différentes, avec des personnages différents, mais le sens était toujours le même, qu'un soldat sauve un officier et finalement on découvre que cet officier était Pierre le Grand, qui le remercie par la suite. Il y a beaucoup de travaux très intéressants et différents. On peut y revenir pour les regarder en détail. Et on va se tourner sur la série de travaux suivants. Nous avons ici des représentations qui s'appellent Lubok. Ce sont les images personnelles avec des inscriptions, avec des textes de chansons, avec des histoires. Et très souvent, elles représentaient des victoires réelles. Par exemple, la victoire de Poltava dont on a parlé aujourd'hui. Et dans cette technique de Lubok, on peut retrouver cette bataille de Poltava. On peut retrouver au centre l'empereur à la tête de son armée. Et il serait très intéressant de voir ce que nous avons ici dans la vitrine. Ce sont les arts populaires qui a trouvé très bien sa place dans notre vitrine parce qu'on peut retrouver ici et reconnaître bien Pierre le Grand qu'on a vu dans la toile de Peter Steben. Et ce sujet dans les représentations populaires a été réalisé dans des techniques différentes. Ici, nous voyons un plateau et avec ce genre de sujet historique qui était peint dessus. Ça, c'est le sujet de Steben sur ce plateau. Pardon, il n'y a plus de son. Микрофон. Так, так, да, все, включила. Le micro a été coupé. Et on va conclure notre exposition dans la même salle. On peut voir la peinture de Gonchet Tomaszewski qui a représenté trois grandes époques de la Russie. C'était une peinture allégorique qui avait été faite sur commande de Alexandre II. Il est représenté à gauche ici sur cette toile. Et Alexandre II représente la fin du féodalisme. Et à gauche, on peut le duc Alexandre Vladimirovitch. Et au centre, on peut trouver Pierre qui représente la naissance de la flotte russe et le début d'une nouvelle époque dans l'histoire russe. Et ici, je voudrais vous tous remercier. Tous ceux qui souhaitent peuvent y revenir pour voir d'autres exponats parce qu'il y a beaucoup de graphismes, de graphiques qui ont été réalisés et qui sont très intéressants. Mais aujourd'hui, nous avons parlé surtout sur les peintures.
Chers amis, Vera Georgievna, avec plaisir, nous vous passons la parole et on espère que cette excursion a été très utile pour vous et très intéressante. Et on vous rappelle que voir tous les exposants en détail, et pour le faire, vous pouvez aller sur le site du musée virtuel dans la section ressources virtuelles et tours virtuels. Donc, on vous invite au musée virtuel pour que vous puissiez le visiter personnellement. Donc, on vous remercie beaucoup, Maria Yurevna Gladkir, qui est le responsable du musée virtuel russe. Et encore, merci beaucoup, Vlada Valentinovna, pour votre excursion formidable. Nous sommes très intéressés par le musée russe. C'est toujours intéressant pour nous. Et c'est très intéressant de visiter la maison d'été de pierre dans les salles de votre musée. Grandiose et tous nos spectateurs de l'Évent, d'Ankara, d'autres pays. Je pense nous tous, on ressent le regret parce que nous ne sommes pas physiquement dans le musée russe, mais grâce aux nouvelles technologies et grâce à la plateforme virtuelle du musée russe, cette distance peut être compensée un peu. Merci beaucoup, Vlada Valentinovna et Maria Yurievna. Et je voudrais clôturer notre rencontre pour vous expliquant les noms. Pierre Legrand dans la culture des arts russes, et il y a eu quelques mots que peut-être pas tout le monde a bien compris, surtout nos spectateurs étrangers. Je voudrais commenter un peu. C'est une petite citation de notre grand poète russe. C'est ce vers qui a été écrit sous l'impression de la personnalité de Pierre. Il s'appelle Les Danse. Il était jeune qu'elle a écrit, il avait 27 ans. Il n'est pas très grand. Je ne suis pas sûre qu'il a été traduit en français, mais ceux qui étudient la langue russe, s'il vous plaît, trouvez-le. Il est très facile à trouver sur Internet. Donc, le nom de cette exposition a été prise de ces vers de Alexandre Pouchkine et je voudrais vous lire ces quatre lignes où il parle de Pierre. Soit il est académicien, soit il est héros, soit il est navigateur, soit il est charpentier. Il était toujours, grâce à sa personnalité, un grand travailleur sur son trône d'empereur. Et c'est une très bonne caractéristique de Pierre. D'abord, il appelle le tsar un travailleur sur le trône. Il disait que son âme était très grande, il était intéressé par tout. Il était très ouvert à de nouvelles choses. Il était à la fois un navigateur, un charpentier. Il était, bien sûr, un héros. Et il était également un académicien parce qu'il développait les sciences en Russie. Il n'a pas eu le temps de créer l'Académie des sciences parce qu'il est mort très jeune, à 52 ans, mais sa fille, Elisaveta, a créé cette Académie des sciences en russe. Donc, il était à la fois navigateur, académicien, il était charpentier sur le trône. On est d'accord avec Alexandre Pouchkine. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, musée russe. Je vous souhaite tout le meilleur et merci à tous ceux qui ont participé avec nous dans ces discussions sur les arts avec le musée russe. Prenez soin de vous. Je voudrais vous exprimer ma reconnaissance particulière
à Victor Goldowski, qui est le responsable des arts du 18e siècle et de la première partie du 19e siècle, parce que c'est la période pour laquelle il est responsable et grâce à lui, ces expositions formidables peuvent être organisées pour apprendre non pas seulement sur Pierre, mais également retrouver les images de Pierre qui avaient été créées par les peintres qui ont vécu après l'époque de Pierre le Grand. Je voudrais vous annoncer également brièvement que l'année prochaine, on va finir les expositions sur les Romanov et la dernière exposition exposition s'appelle les échos des intrigues du palais. Et donc, le règne de Tsar Pierre le Grand, la reine Anna Léopoldovna jusqu'au coup d'État. Quand l'armée a mis l'impératrice Elisabetta Petrovna, quand elle a pris sa place légale sur le trône. On vous invite au musée russe pour voir nos expositions et dès qu'on peut, on va travailler pour que vous puissiez visiter notre musée russe à distance. On vous souhaite la paix. Tout le meilleur. Merci beaucoup, merci à tous et prenez soin de vous. Merci, au revoir.